dans une atmosphère de joie et d'humour. Pour la 24e année consécutive, la brasserie Molson O'Keeffe est très heureuse de vous présenter le célèbre Bye Bye qui, cette année encore, sera diffusé en direct. Au nom de tous les employés de la brasserie, je vous souhaite à tous et à toutes un bon spectacle et surtout une bonne et heureuse année 93. Et n'oubliez pas, si vous prenez un verre, ne prenez pas le volant. Cheers. Le Bye Bye 92 vous parvient en direct de l'Amphithéâtre Bell au 1000 de la Gauchetière à Montréal. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Bernard Fortin qui vous souhaite la bienvenue à cette soirée référendaire. Les premiers résultats ont déjà commencé à entrer. Pour en savoir plus long, allons rejoindre Diane Lavallée dans les provinces de l'Ouest. Bonsoir Diane. Bonsoir Bernard. Alors ici, le taux de participation est un des plus élevés depuis longtemps. Ça fait vraiment plaisir à voir. On retourne à toi Bernard. Merci Diane. On va rejoindre Guylaine Tremblay qui est à Ottawa. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Bernard. Ici à Ottawa, c'est plutôt calme, mais d'où je suis, je peux voir Hall. Et je vous dis qu'on se prépare tout un party pour la victoire du oui. À toi Bernard. Merci Guylaine. On va rejoindre Guy Jodoin dans le camp des indécis. Comment ça se passe là-bas, Guy? Eh bien, comme d'habitude, on n'arrive pas à prendre une décision. Non. Est-ce qu'un oui veut dire non? Est-ce qu'un non veut dire oui et vice-versa? Ben, vous connaissez l'histoire, Bernard. Eh bien, oui. Pourtant, la question est claire et simple ce soir, pour une fois. Y aura-t-il un bye-bye cette année? Oh, on va rejoindre Véronique Leflaguet au Lac-Saint-Jean, je crois. Bonsoir, Véronique. Bonsoir Bernard. Eh bien ici, les tourtières sont dans les fourneaux. On est plus que confiants que le oui va l'emporter. Oh, on m'apprend à l'instant qu'on va rejoindre Stéphane Jacques dans le centre du Québec. Ah, et oui, ici Bernard, on est rempli d'espoir pour le oui. Oh, on m'annonce qu'on s'en va maintenant rejoindre Luc Guérin dans les Maritimes. Bonsoir Bernard. Comme vous le savez, nous sommes une heure plus tard dans les Maritimes. Alors ici, on est déjà en 93. L'ambiance... On attend les résultats nationaux. De retour à vous, Bernard. Oui, Luc, je vous remercie, mais je dois vous dire qu'à 23h02, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit que si la tendance du vote se maintient, il va y en avoir un bye-bye et un vrai à part ça. Amusez-vous bien. Votre jeu préféré, la guerre des tic-tacs. Bonsoir et bienvenue à la guerre des tic-tacs. Ce soir, les Paquins rencontrent les Pouliottes. Tu vas rencontrer les Paquins, ça va bien les Paquins? Oui. Alors Marc, tu nous dis qui est avec toi? Eh bien, j'ai apporté mon frère Pierre qui me ressemble pas pantoute. Et puis sa femme, Nicole, ma belle-sœur, qui me doit toujours 100 piastres. OK. On s'en va maintenant rencontrer nos champions pour la 16e semaine. Les... Merci, c'est bien. Les Pouliottes! Semaine. Comment on sent les Pouliottes? Ben disons que ça fait 4 mois qu'on est ici, hein? Ça fait que maintenant on a perdu sa job. Mon frère Luc a perdu sa femme, puis moi, ben, je sais plus quoi mettre pour venir ici. Mais on a gagné 350 piastres. Oh. À trois! Oh! Faut pas lâcher, on y va avec un premier face-à-face. OK, envoyez-le. Envoyez-le, let's go, envoyez-le. Trois réponses au tableau.
On a demandé à 300 Québécois et Québécoises. Nommez-moi quelque chose qui fait dormir. Du Lachaud. Du Lachaud. Droit de réplique, Lise. Un petit coup de la bain pour la sorte. Luc, c'est pas terminé, ça commence. Quelque chose qui fait dormir. Et tous pour un avec Jules Goujon. Maintenant, une dernière réponse au tableau. Nommez-moi quelque chose qui fait dormir. La montagne du Hollandache. C'est pas fini, ça fait juste commencer. Mais pas fini. Ok, mon bien. Trois réponses au tableau. On a demandé à 300 Québécois, les Québécoises. Nommez-moi le sport préféré des Québécois. Le hockey! Trois de réplique, Luc. Magasiné aux États-Unis. Manon. Alors, c'est à votre tour. Le sport préféré des Québécois. Allez voter pour rien! Lise, on continue le sport préféré des Québécois. Rien de Jacques Chrétien. C'est pas fini, ça va juste commencer. Trois réponses au tableau. On a demandé à 300 Québécois, Nommez-moi quelque chose qui se digère mal. Le succès de Kathleen. Tout, quelque chose qui est légèrement. La série Montréal est ouverte. C'est vrai, c'était pas facile à gérer. Non. Luc, c'est à votre tour. C'est pas facile. Quelque chose qui est légèrement. Une pizza. Messieurs les juges, pouvez-vous être plus précis? Une pizza avec Donald Pilon dedans. Pas trois réponses au tableau. On a demandé à 300 les collègues. Nommez-moi quelque chose qui fait peur. Le retour de Mario Pelcha. Luc, quelque chose qui fait peur. Francis Martin qui chante Juvigno au Capitole. Manon, quelque chose qui fait peur. Michel Richard en actrice. Lise, quelque chose qui fait peur, là. Dan Bigras en camisole. Attention, les paquins, vous pouvez toujours gagner la partie avec une seule bonne réponse. Nommez-moi quelque chose qui fait peur, Nicole. OK, je pense qu'on a compris comment ça marche. Ginette Renault, assise à bol de toilette dans les holos. Hier. Les nouveaux cheveux, Guy Lafleur! Marc, il y a les voiles de la famille. Non. Quelque chose qui fait peur. Le cerveau d'Éric Lindros. Les paquets sont nos nouveaux champions. Alors merci, bonsoir et à la prochaine. Thank you.
gauche comme ça. Et j'ai rien contre le Canada. Si beau, si grand. Ah oui, ah, c'est un pays qui est mal pris. Allons du pays, d'une mer brusque et Anne-Marie, où il y a presque plus de chemin de fer. Au Canadien, c'est plus quoi faire. Où il y a plus de morue dans les bars. Et les Indiens sont pas contents. This is the food in the English. One of the food are no relish. C'est carousel. Bienvenue dans mon salon. Mon nom, c'est Munich. Vous savez, j'ai l'habitude de coiffer la personnalité. Hein? Au fil des ans, j'ai coiffé Kathleen. La technique du boudin, c'est moi, ça. Faut dire, je me suis pratiqué une couple d'années sur le grand Antonio. Je coiffe aussi les journalistes Norman Lestaire. Lui, je ne l'ai jamais vu. Il me l'a envoyé par la poêle. Hein? La lave un petit peu dans le lavabo, hein? Puis la mets 10 minutes dans la chaisseuse. Il a réussi à trembler, M. Scoop, que je coiffe aussi. Lui, pour 10 $, j'y scoupe la barbe un peu, puis j'y renvoie sa grand coin de l'auvage. Il est correct pour une autre série, t'sais. Mais aujourd'hui, c'est toute une taille que je reçois. Regardez-moi ça. Christophe Colomb lui-même. Bonsoir. Et assiégez-vous. Okay. Merci beaucoup. Hey, avoir une tête comme ça dans mon salon, c'est un rêve de coiffeur se réalise. Hein? 500 ans, puis les cheveux encore bien beaux, tu sais. Hey, moi, je coiffe Denise Bombardier. Quand on me revient au bout de deux semaines, on dirait que ça fait 500 ans que moi ça, tu sais. Hey, compte-toi chanceux, mon Colomb, toi, hein? Merci beaucoup. Fait plaisir. Hey, Christophe Colomb, lui, avant de partir en voyage, qu'est-ce qu'il fait de spécial, hein? Oh, il a fait comme tout le monde qui part en vacances, hein? Hey. Il prépare le couleur la veille. Mm-hmm. Le lendemain, il me lève bien de bonne heure, hein? Il pâque le bateau, il regarde ma carte, il barre la porte, il laisse une lumière allumée, puis il demande à mon voisin de ramasser les circulaires parce qu'il m'envoie en République dominicaine pour 6 mois. Hey. Mais Christophe le Colomb, là, quand il découvre un continent, c'est fade, hein? Ben, premièrement, il arrive. Hein? S'il y a personne, ça l'est parfait. Moi, s'il y a du monde, il est fait comme les députés à Laval. Il refait les zonages, puis il dit que c'est à moi. Oh! Et t'as l'air de rien comme ça, mais t'es pas gêné à peu près. J'aime ça, du monde comme toi. Mais Christophe Colomb, lui, il fait pas juste découvrir le continent à Laval comme je te coupe, là. Hein? Qu'est-ce qu'il fait pour relaxer? Hein? Ben, disons qu'il a fait un petit peu comme Polo Noël, hein? Ah. Il prend mon bateau, puis il descend dans le sud pour 6 mois. Mais quand il pense que le monde, il commence à m'oublier, il remonte, puis il m'organise pour passer l'émission ad lib, question de me remettre sur la map. C'est beau, ça. Mais le colon, lui, quand il a découvert le Canada, hein, qui c'est le plus impressionné? Hmm? Ben, disons qu'il a été assez surpris quand il a vu les Indiens, hein? Oh! Qu'est-ce qu'il a fait, colon, quand il a vu ça? Ben, il avait prévu le coup, hein? Il va porter des miroirs, puis pour chacun, un chèque de 300 $ de l'Hydro-Québec. Oh! Mais les Indiens, t'ont-tu donné quelque chose en retour? Non, non, non. T'es sûr, sûr? Certain, certain, oui. Certain. Moi, Christophe, mais t'es dit ce qui m'impressionne le plus, c'est ta chaloupe. On va la regarder si ça te dérange. Ah non, mais hey, ça n'est pas nécessaire, hein? C'est tout un bateau comme les autres. Et c'est pas évident de traverser l'océan avec ça, hein? Non, voici, moi, je suis venu avec 3 navires. Mm-hmm. Le Nina, le Santa Maria... Puis la Pinto, ça a l'air, hein? Non, c'était le Pinta. C'est ça que j'ai dit, la Pinto. Okay. Et là, c'est beau, le bateau. Oh, regarde-moi. Regardez ça.
Oui, c'est là que je te pogne, mon Christophe. Tu disais à les Indiens de donner rien en retour. C'est pas la route des épices que tu cherchais. C'est la route du tabac. Ah, mais ça, c'est une cartouche de mots hot light. Pour toi, je l'ai fait 25 $, pas de temps. Faisais du marché noir, le snoro, à plus. Santa Maria Carmen! Un beau jour, ou peut-être une nuit, sur un lac, quand le monde est endormi, des canots remplis d'Amérindiens, camouflant du tabac, ils font du marché noir. La SQ est souvent sur les lieux. Pour remettre maintenant le dernier prix de la soirée. Alors, en nomination pour le trophée de l'agape de l'année, Guy Lafleur pour son pertinent exposé sur le droit de veto. Diane Jules pour on sait quoi. Céline Dion pour avoir dit que la langue parlée au Québec est un dialecte. Bravo Céline. Céline Dion pour avoir passé de l'argent à sa famille. Céline Dion pour avoir dit à la télévision que sa famille lui empruntait de l'argent. Grosse année, ma Céline. Et finalement, Brian Mulroney pour l'ensemble de sa carrière. Et le gagnant ou la gagnante est... C'est Diane! À ce coup-là, je ne me ferais pas prendre. Je suis très émue de gagner le trophée de la grève de l'année. J'ai tellement travaillé fort, là. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie. Je suis surtout très contente de ne pas avoir empêché le nom de gagner. Bon, là, je vais sortir de mon jig, si j'ai un petit peu. C'est sûr qu'il y aurait un plus de votes pour le nom si la gang d'analphabète avait été capable de lire la question. Non, c'est pour ça que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aurait eu moins de votes pour le oui si la gang d'aveugles avait été capable de voir où c'est qu'ils mettaient le riz. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, ce que j'ai voulu dire en disant ce que je viens de dire, là, c'est que je veux dire un gros merci à Victor Lévy-Beaulieu. Bon, c'est correct, ça? Vous voyez que je suis capable d'être là quand je veux, viens? Parce que Victor est un de ceux qui m'a défendu avec vigueur. Un gros merci, mon Victor. Même si personnellement, je trouve Montréal PQ bien plate, là.
Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, non. Mais en tout cas, je pense que je viens de me couper une autre job, moi, là. Mais pour en revenir aux petits vieux, là, je veux dire aux vieux, voyons, qu'est-ce que je dis là? Aux personnes âgées, je les aime, puis je les respecte. Ben, la preuve, je respecte Jeannette Bertrand. Mais non, mais... Diane, parce que là... Ben oui, mais là, laisse-moi finir, viage! Non, mais ce que je veux dire, c'est que je respecte Jeannette Bertrand parce qu'elle est jeune de cœur dans un vieux corps. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oh! Pas exprès pour me comprendre. Diane, Diane, hein, oui. Hey, c'est à moi. En tout cas, je suis contente de gagner le trophée de la gaffe de l'année. Je le mérite. Chère Diane, ma Wilhelmie d'amour, ne vois-tu rien venir de scandale aux alentours? Oh, toi, mon tendre ami, mon soupirant Jaco, de la noble famille de ces fiers parisots, hélas! Tu sais dans quel horrible et noir effroi me tient mon funeste père, Robert Bourassa? Comme une religieuse cloîtrée, il me tient muette, de peur que je ne me fasse trop aller la luette. Diantre, Diane, donne-moi des mots qui sonnent au sujet de cet accord de Charlottetown. Toi qui erres seul, sans but, sois un peu missionnaire. Parle-moi, toi qui si belle dans ta cellule erre. De mon cachot, j'ai pu écrire à ce tremblé qui, comme moi, a vu Bourassa s'écraser. Bourassa, mon père, qui aurait dû dire « No way » au lieu de coucher avec Brian Mulroney. Mon père, en négociant, tu ne sais pas le pire, ne savait plus du tout la langue de Shakespeare. J'ai en main quelques lettres de hauts fonctionnaires qui, dévoilées, ferait plus de bruit qu'un Michel Chartrand en calvaire. Diantre, corne bleue, ne sois pas si peureuse. Donne-moi ces lettres, ne fais pas la tête. Oh, mais j'ai peur, mon Jaco, qu'on me mette hors du parti si Boubou apprend un jour que je l'ai trahi. Aie confiance, ma Diane, tu es très psychologue. Tu sauras raisonner ce mangeur de hot dog. Diable, s'il le faut, pour toi, je maigrirai. Oh. Je cesserai de fumer et mes dents jaunes, j'arrangerai. En moi, mets ta confiance. Je demanderai ta main. Tu ne prends aucune chance, je suis politicien. Et si votre jasage se rapporte à mon sondage, Boubou quittera Québec par l'autoroute Jean Lesage. Oh. De ces hauts fonctionnaires, lancez-moi les écrits et je serai à toi pour toujours, ma Wilhelmie. Oh, mon Jacques, comme tu sais parler comme un ange. Tiens, ma correspondance. Yes. Va, cours, vole et me venge. Il faut faire tomber ces lettres sur un bon terrain. Et quand ça sortira, je m'en laverai les mains. Laissons à ces journaux cette interrogation. Faire paraître ou ne pas faire paraître. Voilà la question. Québécois, nous sommes Québécois, la 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 la. Cher Claude 008 Morin, nous avons installé un micro pour tout entendre à cette réunion du Parti québécois. Toi,
tu vas nous entendre grâce à cet appareil. Et surtout, n'oublie pas de parler près du micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Bonne chance. Oui. Quel micro? Ils ont oublié d'écrire où est caché le micro? Le micro. Salut, Clou. Salut. Enfant? Oui, en forme. Bon, mais dans ce cas-là, on va commencer la réunion. Oui. Point 1, la restructuration du Parti québécois. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Clou? Eh bien, personnellement, je crois que... Un, deux. La restructuration du Parti... Testing. C'est important. Me recevez-vous? 5 sur 5, mon Claude. J'aimerais ça savoir... Un, deux. Les noms des nouveaux membres. Testing. Ça va, Claude? Oui, ça va bien. En pleine forme. Ah, oui, j'ai jamais été aussi bien. Oui. Je fais de l'exercice tous les jours. Je me tiens en forme, oui. Un, deux. Voyons, Claude, qu'est-ce que tu fais là? Non, rien. Je fais de l'exercice. Le dos aussi, hein? Le dos, c'est bien important de faire des exercices pour le dos. Une. Ça fait du bien. Testing. M'entendez-vous? Ben, je suis certain qu'on t'entend, mon Claude. Excusez. Je vous apporte un petit goûter, hein. C'est une crampette avec des chips. Bon appétit. Une. Testing. M'entendez-vous? Hey Claude, si tu veux monter dans le parti, là, c'est pas celui-là qu'il faut que tu liches. Viens t'asseoir. La grosse nouvelle, c'est qu'il y a des investisseurs japonais qui veulent injecter de l'argent dans le parti. Oh, 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 oh! C'est de la grosse information, ça! Ouais. Comme ça, les Japonais seraient prêts à investir dans le parti! C'est vrai qu'il a l'air bon, le dépacolette, hein? En passant, t'en as un petit peu d'enfant. Oh, ben, des réponses! Non, pas les chips! Les chips sont pas bonnes! J'ai goûté tantôt, sont pas bonnes! Testing! Voyons, Claude, là! C'est le stress! T'en fais même trop! Ouais, c'est... C'est ça, je suis stressé. Bon, on va remettre la réunion à demain. Non. Puis tant pis pour le micro, hein. Comment? Je veux dire, je pense que j'ai besoin de repos. Hein? Oh. Ah, c'est là qu'était le micro. Ah, coudon, je pense que j'aurai pour mon 800$ cette semaine. Non, elle n'est pas disponible avant 2002. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Changez la date de vos Olympiques, man. Les entreprises Lise Payette Inc. Un instant, s'il vous plaît. Madame Payette, vous avez M. René Angéline sur la 2. Ben, vous savez, la petite queue de pony, là. Bon. Ben, il aimerait ça que Céline revienne à votre émission. Oui, je lui fais le message. Monsieur Angéline? Bon, écoutez, Madame Payette, elle accepte à condition que la belle Céline n'en pleure pas de couleur, là. J'ai le message. Madame Payette, il fait dire qu'il n'est pas capable. Les entreprises disent Payetting. Un instant. Madame Payette, ces quatre saisons, là, au bout de la ligne, ils font demander si vous n'auriez pas quelque chose pour eux autres. Bon, ils cherchent n'importe quoi. Je fais le message. Elle aurait la deuxième et la troisième saison de Montréal-Ville ouverte. Ben oui, c'est déjà tout écrit, ça. Vous le prenez? Parfait, enfin débarrassé! Les entreprises disent Payette Inc. Un instant, s'il vous plaît. Madame Payette, c'est votre fille Sylvie, là. Elle dit qu'elle sait plus quoi faire avec le personnage de Pete dans Chambre en ville. Je lui fais le message. Sylvie, il faut que Pete se suicide, mais il manque son coup. Avec ça, tu devrais être bonne pour une coupe d'années. Les entreprises disent Payette Inc. Un instant. Madame Payette? C'est Louisette Dussault sur la 6, là. Ben voyons, c'est la blonde qui joue le rôle de Marilyn. Bon.
Ça fait dire, là, qu'elle est bien fatiguée, puis elle se demande quand est-ce qu'elle va pouvoir aller faire le ménage chez elle, là. Bon, j'y fais le message. Wisette, bonne chance avec tes coquerelles, hein, pas avant 4 ans. Hein? Oh, Wisette, Wisette, en passant, t'es due pour ta repousse. Bye-bye. Oh, mon Dieu. Oh, parlant de Marilyn, j'ai oublié de demander à Mme Payette de faire les corrections des 50 prochaines émissions. Oh! Mon Dieu! Ça a été plus long que d'habitude! Pour moi, elle couvre une grippe! Hein? Les entreprises des Payetting! Un instant! Madame Payette! C'est Victor Lévy-Beaulieu sur la 12, là! Il est encore bloqué sur Montréal PQ! Ben, manque d'idées, je pense! J'y fais le message! Monsieur Beaulieu, à vous pas dire de manger la même chose que l'autre fois! Les entreprises des Payetting! Un instant, s'il vous plaît. Madame Payette, vous avez Ginette Renault sur la carte. Elle aimerait ça que vous veniez la remplacer, là. Vous savez, dans la nouvelle émission, là. Mais... L'essentiel, c'est d'être partout. À Télémétropole et à Radio-Québec, à Radio-Canada et même à quatre saisons. On peut appeler ça de la télévision. Bientôt j'animerai la soirée du hockey. Je remplacerai Jeannette à parler pour parler. J'écrirai du théâtre bien mieux que Guy Fournier. Bradouet et ses steppers, pour moi c'est rien que perte. Je veux que l'on me voie quand on fait. Je veux qu'elle soit à moi, cette télévision. Essayez de m'arrêter, de monter jusqu'au nu. Et moi, je vous mettrai mon pied dans l'essentiel. C'est d'être d'un cas extrême, possédé par un mal encore plus puissant que tout ce qui m'a été donné de voir en 20 ans d'exorcisme. Mais qui est-ce? Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que cette personne est en contact direct avec le démon et que nous nous devons d'intervenir. Espérons que nous allons réussir. Bonne chance, Père Simon. Bonne chance, Père Roger. Je vous salue, Julie, pleine de tics. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes la plus petite de toutes les femmes et tous les fruits de vos entraves sont abolis. Petite Julie, mère de feu, priez pour nous, téléspectateurs, maintenant et à l'heure de notre cauchemar. Amen. Amenez-moi Catherine Deneuve, j'ai pas peur de personne. Surtout pas de Patrick Bruel. Wow, amenez-moi Gainsbourg, amenez-moi Gainsbourg. Ah! Bandé rétro, satana, bandé rétro, satana. Non, ça ne sert à rien, Père Simon. L'eau du Saint-Laurent n'a aucun effet sur elle depuis le temps qu'elle se jette dedans. Mes codes d'écoute vont monter en enfer. Hey, la semaine prochaine à mon émission, je vais faire du parachute, je vais me tirer en parachute tout nu. Je vais faire du bungee déguisé en truite. Je vais lutter tout nu dans du pudding. J'ai pas de bout, j'ai pas de bout. Il faut la provoquer. Il faut lui montrer des images qui vont la calmer. Des modèles auxquels elle va s'identifier. Hey, je vais me tourner la tête à 360. Aïe, aïe. Chère Julie, je te présente
Denise Bombardier. Religieuse défroquée. Religieuse défroquée. J'ai pas peur de personne, j'ai pas peur de personne. Elle n'a pas peur de Denise Bombardier. Non, 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 attendez, j'en ai d'autres. Ah, Michel Louvain. Oh, qui était de la conduite. Non, pas Michel Louvain, elle risque de devenir encore plus grande et plus folle. Tu l'as fait. Peut-être qu'avec une de ses compétitrices. Sonia Benez Machin. Voilà. Delphine, ton album. Ça me fait extrêmement plaisir que tu sois parmi les nôtres. Endormir ce démon! Il nous reste une dernière chance! Qui c'est ça? Jean-François Lépine! Il arrive à endormir le Québec au complet en animant le point tous les soirs! Oh boy, Mathieu Énergie! Ah, je suis l'enfer, je suis l'enfer! Savez-vous ce qui va arriver au Québec, Père Simon, si cette jeune fille n'est pas maîtrisée avant l'âge de la ménopause? Je l'ignore, mon père. Le Québec aura à subir une deuxième Suzanne Lapointe. Eh bien, nous n'avons plus choix. Au grand mot, les grands moyens. Les hirondelles. Tu dois le rencontrer. Oh, je ne veux pas. Il n'y a plus rien à faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Faites entrer le conseiller. Bien le bonjour, Sa Majesté. Jean Chrétien. Pour vous servir. Couillon, ça sent le brûlé. Avez-vous manqué vos anglais mon fin de matin? Et c'est pas signé de constitution que j'ai demandé, mais un conseiller matrimonial. Mais c'est pour ça que je suis ici. Comme vous, le genre de problème que Diana et Charles vivent, là, je vois ça tous les jours. Là. Après tout, ça fait 20 ans que je fais tout pour empêcher le Québec de se séparer. Ça marche. Oh, au point où nous en sommes, vous ou rien, c'est la même chose. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de m'émincer dans votre famille royale. Oh, c'est quoi ton petit problème, Lady Di? C'est Charles. Qu'est-ce que tu dis, là? C'est Charles. Qu'est-ce que tu dis, là? Elle et mon fils Charles ne s'entendent plus. Ça me surprend pas, moi non plus, j'entends rien quand elle parle, là. Si j'ai demandé de l'aide, c'est parce qu'elle a besoin qu'on l'écoute. Qu'on l'écoute, pourtant pas les oreilles qui manquent à la maison, là. Parlant de Charles, il est pas là, lui. Non, aujourd'hui, il joue au polo. Il est pas un peu vieux, lui, pour jouer au polo, là. Entre Charles et moi, il n'y a plus d'amour. Il se passe même plus rien, lui. Oh, shut up. Mais lui, Didi, veux-tu me dire Didi, moi, pourquoi ça marche plus? Parce que toi et Charles, vous n'avez pas respecté la règle des 3P. Les 3P? Ben oui, que voulez-vous? Un couple, c'est comme en politique, hein? Pour que ça marche, il faut que tu respectes la règle des 3P. Pas de tataouinage, pas de chamoyage, pas de courroyage. Oh,
on devrait peut-être écouter le Canada pour une fois. Et certain, mais je vous regarde, là, vous non plus, votre majesté, ça n'a pas l'air d'être les gros carrosses, là. Oh, vous savez, avec Philippe, ça va très bien, on ne se parle plus depuis 20 ans. Mais c'est tout le reste qui va mal. En plus de Diana, il y a Fergie qui quitte mon fils Andrew pour aller se faire sucer les orteils par notre compagne. Oh, Stanton! C'est un beau sujet pour Claire Lamarche. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus d'argent pour reconstruire le château de Windsor. Oui, mais moi, mon problème avec Charles... Oh, shut up! Et maintenant, ils veulent que je paye des impôts. Ouais. Moi, tu veux te donner un bon truc, tes déductions, là? Quand tu vas au restaurant et tu manges pour 6 piastres, là, gêne-toi pas puis demande un reçu d'huile. Ouais, c'est toujours ce que je fais, moi. Oh, merci du conseil. Ouais. Dites-moi, comment cela va avec votre femme? Oh, cela va, cela va. Mais c'est au beau fixe, hein. Que voulez-vous? À tous les matins, on déjeune ensemble. Là, je demande à ma femme, passe Wilbur de Pinot. Elle fait semblant de pas me comprendre, va voir je le tiens joué, hein. Là, ça se tient pas que l'avant midi, là, je suis qu'un poing. Oh, finalement, ça ressemble au Québec avec le Canada. Oui, sauf que nous autres, à la maison, on fait pas de référendum, on pas d'argent gaspillé. Bon, mais là-dessus, moi, je vous laisse, là. Puis, je vous dis bonne chance, ma lady, dire les dames, dire les dos, hein. Puis, à vous aussi, votre majestueuse, là. C'est ça, vous de même. Parce que je dois partir, parce que j'ai du travail au Québec. Là. Oh, c'est vrai, il paraît que vous avez toute une cote à remonter là-bas. C'est pas vrai, j'ai 2% de popularité, c'est pas ce pays. Eh bien, bonne chance. Ah. C'est pas mon problème avec Charles. Oh, shut up! J'ai su que c'était pour toi, Sylvie. Personne n'aurait pu m'en empêcher. Nous autres à TVA, on te la donne la médaille d'or. Et au nom de Jean-Luc Mongrain, de Lise Payette Inc. et au mon nom personnel, on aimerait te dire qu'on t'aime, Sylvie. On t'aime. Pays du juge de mes amours, oui je me souviendrai toujours de la piscine de ce beau jour. Oh oui, Brasil, oh oui, Brasil. Denise. Oui, moi, c'est Denise. Oh, bonsoir, Denise. Bonsoir, Gilles.
Hey, il s'en est-tu passé des affaires cette année, hein? Hey, je comprends donc. Mais savais-tu ça, toi, que l'année 92, là, dans l'horoscope chinois, c'était l'année du singe? Ah ben, coudonc, ça veut dire que dans quelques minutes, l'année de Pierre Elliott Trudeau va finir. Hey, il reste pas grand temps, on va finir sans beauté. Oui, mon Gilles! Denis, peux-tu me dire, toi, c'est quoi la différence entre un fou furieux pis Dan Bigra? Oui, moi, hein? Ils ont pas la même sorte de camisole. Hey, mon Gilles, je te regarde, là. Tu as dit que t'as eu souvent l'air de la Banque du Canada, toi, cette année? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'étais souvent sans intérêt. Hey, c'est-tu de ça que j'ai rencontré Manon Réaume? Pas la gardienne de but au hockey? Oui, elle m'a dit qu'elle venait de signer un gros contrat de publicité. Ah oui, pour vendre quoi? Des jambières de gardien de but pour femmes. Comment est-ce qu'ils m'ont appelé ça? Des maxi-pads. Ça me fait passer. Denise, peux-tu me dire, toi, qu'est-ce qui est la différence entre notre chambre à coucher et la chambre des communes? Je sais pas. Eux autres, ils n'ont pas de cadran pour les réveiller. Mon Gilles, peux-tu me dire la différence entre le premier ministre Clyde Wells et un frigidaire? Dans le frigidaire, il y a une lumière! Hey, mon Gilles! Notre bon ami, le Claude Blanchard. Ah oui, comment est-ce qu'elle est? Bon, pas fort, tu sais, il s'est fait poigner la vente du chevreuil, t'as entendu son histoire? Ouais, c'est pas bien, bien drôle. Finalement, c'est comme le trois quarts de ses histoires. Hey, ça me fait penser, ça, Denise, peux-tu me dire comment est-ce qu'on appelle ça, un laxatif qui vient en paquet de six? La bande des six! Wow! Ça, ça fait mal, hey, ça. Monsieur. Hey, Denise, ça me fait penser. Comment est-ce que je te dirais bien ça, ma Denise? Attends une minute, là, c'est toi. C'est bien, mon rêve. Ah oui, mais moi, je voulais dire de quoi, moi? J'ai pris une affaire, les surprises. C'est ça, vous l'avez dit. M'en viens, Alzheimer. Hey, tu savais que, surprise, ils ont pogné le chef du Reform Party, Preston Manning. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait à croire qu'il était intelligent. Hey, mon Gilles, c'est Lucien Francaire qui rentre dans le bureau du boss en 4 saisons. Il dit, Lucien, il dit, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. OK, commencez donc par la mauvaise. Son émission finie. Puis la bonne. Tu veux, belle blonde, travaille à réception? Ouais. Je sors avec à toi. Hey, mon Gilles. Ouais. Dis-moi là, comment est-ce qu'on appelle ça le repas le plus populaire dans les cafétérias de cégep? Aucune idée. La soupe analphabète. Oh. As-tu vu ça, toi, le film La Postière? Oh, mon Dieu, oui! Je te dis que Michel Richard a donné toute une performance là-dedans, hein? Bien, certain. Écoute, tu vas me dire, c'est quoi la différence entre Michel Richard et la Reine d'Angleterre? Ben, je sais pas. Mais quand tu prends 25 cents, d'un bord, c'est la Reine d'Angleterre, puis l'autre bord, c'est Michel Richard! Oh, boy! Ça fait mal! Attends, Denise, dans l'énormément des fêtes, là, j'ai complètement oublié de te donner ton cadeau de Noël. Ben voyons là, ben donc c'est fou, oui! Oui, Denise! Ben voyons donc! Ça me fait plaisir. Oh, j'ai que ça, c'est ça! Oh, une belle main! Ah ouais, quelle heure est-il, là? Mon Dieu, ben là, je sais pas, je vais t'en regarder là! Il doit bien approcher quelque chose comme minuit, là! Ben, il s'est devant pas regarder, là, mon Dieu! Mais non, mais ça n'a pas grand temps! Tandis! Il va être minuit! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2! Soyez heureux, le paradis à fin de vos jours, quoi de mieux pour une nouvelle année. Bonne année 93 à tout le Québec. Bonne année! Bonne année, grand année. Pareillement, grand temps. Bonne année. Une bonne année aussi bonne que mille fois. Bonne et heureuse année. Je souhaite aux Québécois une bonne année écologique. Bonne année. Alors, je souhaite une bonne année à tout le monde. Allez-y, mollo. Je souhaite une bonne année à tout le monde, puis je nous souhaite du nouveau cette année, les Québécois. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Bye. Bonne année à tout le monde. Je vous offre mes voeux et je vous souhaite une chose, pas de procès.
Bonne année, du fond du cœur. Bien, bonne année à tout le monde. Bonne année à